Ça va? Ouais, très bien. Ça se passe bien. Avec Bébé? Ouais. Ouais, très bien. Coucou les ploucs. Oh, dis donc, tu parles pas comme ça de ton père. Et de Béné, je peux? Ah bah de Béné, oui. Non. Vous êtes de garde ce soir, docteur? Ce soir, je dîne avec le nouveau mec de mon ex-femme. Vous connaîtrez ça bien assez tôt. Et c'est quoi son nom de famille? Morteau. Ah, Morteau, comme la saucisse. C'est marrant. Tu fais quoi, en fait, dans la vie? Ben, là, je cherche des idées pour claquer mon blé. Parce que comme j'en ai beaucoup, ça prend du temps. Et tu pratiques toujours le shiatsu? Ouais, ouais. Oh, c'est bon. Voilà. Oh, Vincent. Voilà. Oh, pardon. Connard. Tu le connais depuis quand? Je sais pas, il y a 5 ans. Je suis choqué, quoi. Je pense que tu m'as trompé pendant 5 ans. Allez, vas-y, tire-toi. Allez, va faire des passes sur une aire d'autoroute, là. Comment tu parles à la mère de tes gosses? On veut vous parler d'un sujet très important. On pense que vous devriez vous remettre ensemble. Quoi? On dort pas ici ce soir? Non, chez votre mère. Papa, il nous a viré parce qu'il veut faire un gosse à Béné. Quoi? Maintenant? Pardon? Béné, j'ai 42 ans. Je sais pas quel âge j'aurai dans 10 ans. Alors si c'est pour avoir un enfant qui est plus vieux que soi, je vois pas l'intérêt. S'il fait un gosse, c'est plus mon père. Ben, change de papa. Prends Edouard, appelle le papa. Quoi? Non, mais toi, tu l'appelles Daddy. Comme ça, tu révises ton anglais. Ta gueule. Hé, hey, Mathias. Je sais que je suis pas ta mère, mais la violence verbale, c'est pareil que la violence physique. Ouais, la prochaine fois, je lui mettrai directement une baffe. Vous êtes tous malades dans cette famille. Maman, elle a trébuché. L'adolescence est un âge difficile. Oh, bah, la vieillesse, c'est pas génial non plus. Hein. C'est sûr. Moi, perso, je préfère m'exploser un bouton que me chier dessus.